Bonjour à tous et bienvenue sur CNM Cooking. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser une délicieuse tarte aux tomates cerises entièrement maison. La liste complète des ingrédients se trouve juste en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Elle est également disponible en anglais. Donc pour réaliser cette pâte à tarte, nous allons avoir besoin de 75 g de beurre salé, de 150 g de farine et d'environ 60 ml d'eau. Pour la garniture, on va avoir besoin de moutarde, de tomates cerises, d'herbes de Provence et de poivre. On va commencer par faire chauffer le four à 360 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius. On va ensuite réaliser un beurre pommade en le passant un tout petit peu au micro-ondes ou en le laissant à température ambiante. On met la farine dans un saladier avec le beurre et on va mélanger de façon à émietter le tout. On rajoute de l'eau et on mélange jusqu'à ce que la pâte ait la bonne consistance. S'il y a besoin de plus d'eau, on n'hésite pas à en rajouter. On ne pétrit pas trop pour pas faire fondre trop le beurre. Et ensuite, on va étaler la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Ensuite, on va la placer dans un moule. On va faire des trous sur la pâte à l'aide d'une fourchette. On étale la moutarde. Et on va déposer les tomates cerises coupées dans le sens de la longueur. On rajoute du poivre et des herbes de Provence. On replie un petit peu les bords de la pâte et on va enfourner la tarte pendant 30 minutes. Et voilà, c'est prêt à servir. Vous allez voir, c'est délicieux avec une petite salade. Vous allez vous régaler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon appétit et à la prochaine.